Et voilà le plat, les amis. Attention, c'est chaud. Ça sent super bon. Ah, un bon petit plat de pommes de terre. Y a rien de meilleur. C'est de la patate. Mais non, c'est de la pomme de terre. Comment ça, des pommes de terre? C'est de la patate. Mais non, regarde. C'est de la pomme de terre. Écoute, on va pas se disputer pour ça, c'est de la patate. C'est de la pomme de terre. De la patate. Pomme de terre. Patate. Pomme de terre. Patate. Ok, tu veux jouer à ça? Je vais te le prouver que c'est de la pomme de terre. Un plat de pommes de terre, ça ne se fait pas tout seul. Tu sélectionnes la pomme de terre chez ton maraîcher pour faire le meilleur plat qui soit. Tu la sélectionnes? Oh, t'es trop mignon. Et la patate, tu crois qu'on la cueille dans les arbres? Non, tu vas la chercher directement dans son jardin. Des entrailles de la terre. Parce que maintenant, tu jardines. Et après, tu la laves vigoureusement, juste pour lui enlever le surplus de terre. Et c'est ça qui lui donne tout son goût. Laisse-moi rire. La pomme de terre, figure-toi, elle n'a aucun surplus. On a juste à la passer dans un torchon humide pour la lustrer un peu. Tu l'as prise pour une voiture ou quoi? La pomme de terre, c'est un mets d'exception. Si tu veux que ton plat soit réussi, il faut en prendre soin. Ah oui? Et quand tu l'épluches, tu lui fais un massage? On l'épluche de haut en bas, faisant de grands gestes et en ne laissant rien. La patate, c'est beaucoup plus simple. Tu l'épluches en tourbillon. La pomme de terre, tu la coupes en une seule fois. Les tranches sont parfaites. Oh, l'outil de feignant! La patate, tu la coupes toi-même au couteau, hein? Et t'es libre d'en faire ce que tu veux. Tranche, cube, frite, triangle! Dans le gratin dauphiné, tu crois que c'est quoi? La pomme de terre. La patate au four. Pomme de terre à l'eau. Et patate sautée. La pomme de terre en robe des champs. La ligande. La crique. Allez. Alors, patate ou pomme de terre?